Katumbi, il a fui. Katumbi a traversé la frontière de Zambie, Mitema, après qu'il soit signalé que ce qu'il avait commis, c'est un crime à violer l'article 183 de notre Constitution. Ndebaye kotsa siko maboko et pas y a chauffeur à Moïse Katumbi. Ba secret de Tebi Makate et Bini. Ya Yambo. Poète, poète, Kaseng, Kachamanta, toutes ces bambokawana nios, Katumbi avait mené ça rien qu'avec les armes. C'est-à-dire, Katanga wana, Katumbi avait déjà miné Katanga. Avec son idée, vous connaissez bien, que les Katanga soient visés. Franck Diongo. Exil les a passés, Pierre Louao. Exil les a passés. Pensez-vous que l'exil est au Kémi, au Kéwana. Vous allez vous assortir dans l'exil. Beaucoup me la paix. Non, vous me l'avez dit, beaucoup me la paix. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informez sur notre devoir. Voilà. Mbote na bino nyonso bande ko na biso o balanda ka biso na Pifo officiel TV. Ba abonnez na biso direct. Bino boza fidèle na chaîne oza chaîne de référence na bino. Chaîne na la kabino ya sango ya mboka ekolo Congo. Chaîne etali sa kabino maimaza ko leka à l'est de la République. Chaîne Yaka Kotali Sabino, le complot homme Mbokanabiso et Zosibi face aux impérialistes. Nous sommes vraiment très heureux, très ravis et je suis vraiment plein de joie pour partager ces numéros de décryptage. Et le monde Abino, peuple congolais, ma papa Bolanda Kabiso, ma maman Bolanda Kabiso, ma mbote Nabino Biska Bozwami, ma décolonie, tous en a trois sujets tous en l'obé. Si j'ai un mot aujourd'hui là, après que Kima Moïse Katumbi sur l'arrestation, il y a chauffeur Naïe. Qu'est-ce que le chauffeur de Moïse a dévoilé comme les secrets d'État que la République démocratique du Congo ignorait? Deuxième sujet, nous allons parler sur la réussite totale de la diplomatie à chef de l'État. Aujourd'hui, la RDC a été élue. Il est de nouveau membre du Conseil des droits de l'homme dans les Nations Unies. Et troisième sujet, nous allons parler sur ce qui se passe à l'Assemblée. Je vous informe déjà qu'il y a des antécédents. Il y a déjà divergence d'opinion entre Kamere ainsi que sa famille politique. Entre Kamere ainsi que l'union sacrée. Ni les Olek. Nous avons trois points aux Olek. Nous allons parler si l'arrestation du chauffeur de Moïse Katumbi et le secret d'État qu'il a révélé. Nous allons parler sur ce qui vient de se passer dans les Nations Unies, que la RDC a été élue, nouveau membre du Conseil des droits de l'homme. Et nous allons encore parler sur les antécédents. Ezanakati ensemble après avoir suscité idée sur la révision constitutionnelle. Tandasi nini kamera zanango vis-à-vis la union sacrée, tandasi nini kamera zanango vis-à-vis la peuple congolais. Voilà ma kamutozo sur l'anabino. Je serai vraiment très très courte et mais j'aimerais que tous les Congolais, vous devez partager le lien de cette émission. Nous voulons assez que cette émission et comme la partout, et que les Congolais vont être informés dans la situation. Il y a un peu de système à l'issue, Nicolas Lissou. Moi, ça me dérange parfois. Tu vas voir un Congolais, à zone qui s'est mis en colère, sans qu'on ait un état de santé en Bokanaye. Un Congolais qui s'est mis devant des futilités, sans pourtant qu'on ait
l'état de santé de son pays. Ayemite que l'air est grave, Mandeko Nangai. L'air est grave. Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, ils avaient annoncé son voyage en Angola. Hier, le département État américain a sali publication, il y a près de presse sur les salami, que Biden a annulé pour la seconde fois son voyage en Angola. Et nous connaissons Biden qui met le voyage en Angola. Voilà pourquoi tu as dit Sarabino, Congolais, vous avez la distraction. Congolais, vous devez vous baigner dans la politique. Parce que notre pays subit ce qu'on appelle un complot international. Et comme notre pays subit un complot international, voilà la raison pour laquelle, Bissoto Komiba ambassadeur, nous devons défendre l'intégrité territoriale de notre pays. On va le défendre comment? Voilà, on est là pour déstabiliser plus de 500 sites au Kagame Salaki pour désorienter l'opinion internationale ainsi qu'internationale à ce qui concerne les informations de la République démocratique du Congo, les informations à l'est de la République, les informations sur toutes les institutions. Parce qu'à cette époque, Kagame avait encore de l'influence. Kagame avait le contrôle il y a 70% il y a l'est de la République. Mais maintenant, Makamoza n'engez à la quitter. N'est toujours coexoté ma Congolais. La République démocratique du Congo, c'est notre beau pays. Ceux qui défendent le Congo, c'est qu'on défend un beau canine. Si tu ne te bats pas pour la République démocratique du Congo, vous allez vous battre pour quel pays? Le Congo nous appartient, nous les Congolais. Baneko Biden a kimi en Angola. Il devait effectuer son voyage du 14 au 15. Normalement, Biden fallait qu'il y a. Lorsque Biden a lancé voyage en Angola pour dire qu'il va venir en Afrique, Vladimir Poutine a tindaki patrouilleur russe la Tanzanie. Je vais vous dire que vous savez bien que Centrafrique est sous contrôle, Yarishi. Il a décidé qu'il mette sa base là-bas. Maintenant, c'est le tour du Tanzanie. Tant que Biden, Maison Blanche, Pentagone, va comprendre que Poutine a tiré qu'il battue la Tanzanie, ils ont refusé que Biden aille en Angola. Si Biden ose de venir en Angola, il sera humilié par la Russie. De quelle façon? Vous voyez que le président russe, Poutine Vladimir, a sous un mandat d'arrêt international. A sous une sanction. Maintenant, Poutine s'est déplacé à Tikir ici pour aller dans la Mongolie, un pays. Oui, signé qui les accords et traités de Rome, il fait partie de notre pays et s'adhéra à ces pays. Comme Poutine avait des sanctions, normalement Poutine qui piétinait la Mongolie, il devait être arrêté. Quand Poutine est venu à Mongolie, les Américains m'ont béni président mongol pour leur donner des instructions. Il doit arrêter Vladimir Poutine. Bah, il faut qu'on aille. Quelle était la réponse du président mongol? Aïe, l'Américain, si réellement vous avez de la force, si réellement vous êtes un pays superpuissance, Kagame est Vladimir Poutine Azao. Vous avez qu'on aille. Bah, tu as qu'on aille.
Voilà maintenant le retour. Poutine a donné causé là. Biden est en Afrique. On devait voyer directement avion présidentiel des États-Unis pour les conduire jusqu'à Moscou. Mais même on voyait va tenir rien en otage. On devait même saboter sa visite en Angola. Comme le KGB, côté qui n'a pas recherche, ils ont compris que Thérèse Aminé, vient ce qu'on y a tué ma colle, voilà la motif, il y a annulation, il y a voyage à Biden en Angola. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La lobby Bino, Katumbi, il a fui. Katumbi a traversé la frontière de Zambie, nuitement, après qu'il soit signalé que ce qu'il avait commis, c'est un crime à violer l'article 183 de notre Constitution. Kagame, Moïse Katumbi n'avait pas le choix. Akimaki. Miyakini ne va écouter ce que Maboko et pas y a chauffeur à Moïse Katumbi. Bah secret de Tebi Makate et Bini. Yayambo. Poète. Kaseng. Kachamanta. Toutes ces Mambokawana Nios. Katumbi avait mené ça rien qu'avec des armes. Avec le petit sa arme Katumbi. Balobi na mueto, na pueto. Si vous allez na zamba ya pueto, vous allez rencontrer. Et le tumoli, bokomo na minduki. C'est-à-dire, Katanga wana, Katumbi avait déjà miné Katanga. Avec son idée, vous connaissez bien. Que le Katanga soit divisé. C'est la même mission où on appelle ça qui l'Isitamli, ambassadrice américaine. C'est de la même façon. Aimez notre vidéo. Commentez et partagez les liens. Balomi, il y avait même des trafics. Même tout caminer les eaux portes, même tout caminer les eaux bima. C'est-à-dire, pas soir. Or que le président Félix Assala des renseignements. Tout ça, le renseignement externe et puis tout ça, le renseignement interne. Ils étaient déjà au courant de la bavure, il y a Katumbi. Mais on s'attendait à sorte que Katumbi a violé loi article 183 de notre constitution. Quand Katumbi a consommé seulement l'infraction, quand Katumbi a initié l'infraction, a été déjà adoptée. Aimez notre vidéo. Commentez, partagez les liens. Bandi Kouba Congolais, le chauffeur de Moïse Katumbi, a talisi bisika nyoso, Minduki Zalaka. Là où il y a l'arsenal, il y a armement, Katumbi a kotisa na Kachobui, a kotisa na Kundelungu, a kotisa na Mweto, na Kasenga, ba kunda Minduki Moussousou, na Bazamba. Mais vous allez voir nos frères de Katanga qui soutiennent Moïse. On se pose la question. Katumbi, depuis quand Katumbi est devenu Katanga? Bon, Pessa Joseph Kabila, Kombo, Binouma Ndekolami soit Katanga. Bon, Pessi Francis Mouyumba, Kombo, Binouma Ndekolami soit Katanga. Ça fait parfois mal. Ça fait mal. Bakani, il a révélé des secrets d'État. Nous, on se bat avec ça dans le coucou et bien, il n'a pas ça.
Nous sommes mis pour ça la coucou et bini la poissa. Tu le bâti ta oyeza taille à Congo. Il a révélé à Bimisi. On a vu des armes, loup. Qu'est-ce que Moïse préparait? Il préparait, il a qu'on renverser le régime. Or, notre constitution dit ceci, sur l'article, l'article 64, pas alinéa A, mais alinéa B. Toute tentative de renversement, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. Imprescriptible, une infraction. Bande de combats congolais. Bas congolais de père et de mère. Nous devons soutenir la vision du chef de l'État. Soutenir la vision du chef de l'État. Nous devons mobiliser les gens pour qu'il y ait le référendum. On n'a plus besoin de cette constitution qui a été élaborée avec 18 étrangers et que trois, le fils majeur, entre autres, Franck Diongo était dedans. Il était dedans dans les coups. Dans les coups, il était dedans. Mais, ce que les gens oublient, c'est quoi? Tango Toza, le ciel travaille pour la RDC. Toujours chauffeur, il y a un moment où il y a un trouble dans le cas de la Bassango. Bassango est affaibli, épuisé. Pourquoi? Parce que c'était tout préparé pour la Bassango. Babeta. Régime Oyo est constitutionnel. Mais ils veulent saboter le régime qui a été certifié par la Cour constitutionnelle. Est grave. Je ne sais pas si je vais vous trois points. Je parlais sur l'arrestation. Il y a chauffeur à Moïse Katumbi. Avec le plan machiavélique et Moïse avait préparé, pas seulement lui, avec les prêtres catholiques, avec d'autres hommes politiques. Deuxième volet, nous allons maintenant parler sur la victoire écrasante et comment la RDC a rapporté l'élection par laquelle nous sommes désormais de nouveaux membres. Il y a Conseil des droits de l'homme et César Kanachosine. Bon, mon ami Jean-Claude Vouemba. Bon, mon ami Jean-Claude Vouemba, c'est qui Franck Diongo, Bakenda Kina Genève. Quand il y a eu que la RDC a tiki candidature pour que Abandako siège dans le membre des droits de l'homme, ils ont utilisé, activé les aides. Les opposants, ils sont allés à l'ambassade de France pour menacer, pour faire du n'importe quoi. Hein? Pas de combat congolais? Dans quatre, quand on a joué, c'est bien Franck Diongo a joué là. Nations Unies, tu ne devais pas faire ça. Bah, joué là. On ne combat pas quelqu'un qui a l'huile. Là, tu te bats avec Dieu en personne. Parce que l'huile là, c'est ça Dieu. Maya Mishu. Hein? Maya Mishu. Comment a élu? Quels sont les avantages? Vous savez que Kagame a violé des droits humains. Voilà, on a récupéré les droits de l'homme. Tous à la canne, livre blanc. Livre blanc, pardon. Livre blanc,
Eza ouvrage mukonza mboka sala. Azotali sa comment mboka na yeza détruit. Comment les écoles sont inachevées. Dans le parti zone, il y a encore les élèves. Pendant que les Congolais, on va charger Paul Kagame. Paul Kagame va l'ennemi, mais à culpa. Comment la RDC a rapporté cette victoire? La diplomatie écrasante, agissante, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est impossible à Kobarenze là. C'est impossible à côté la Ekento. Et là, une mission, ça se voit maintenant. L'année passée, il fut président de l'Union africaine. Il fut comme ça. Deuxième quinquennat, le loyo, Tokomi, le membre, le nouveau membre du Conseil des droits de l'homme, la 4e Nations Unies. Tout ce qui est la candidature, mon corps. Nous devons aussi siéger et commencer à décider parmi les décideurs. Bien qu'ils ont dit que Barozala a le droit de vétoter. On a dit ce qu'on ne veut pas. Mais tant pénétrer caca. Tant pénétrer, tant qu'on siéger et si qu'on va toujours décider pour l'ambo cannabis. On va commencer à siéger. Voilà, bonjour mon ami, monsieur Tokenango. Parce que nous comptons déjà un lit avec 172 voix, 690. Pensez-vous qu'il y a seulement les présidents africains? Ça prouve même qu'il y a Bamindelo Bazalibanda, une nouvelle à tout prix que le Congo est émergé. Quand même, tout ça, premier poumon mondial. Jusqu'à quand le Congo sera toujours inachevé? Il y a des gens qui accompagnent les chefs de l'État, qui travaillent dans la coulisse. Pourquoi? Dans le Bagalamino, il est resté le président au Congo, où il y a la Bila et les a chiffrés. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Aimez notre vidéo, commentez, partagez les liens. Aimez notre vidéo, commentez et partagez les liens. Pendant que nous avons toujours siégé, voilà. Ma cadame, qu'on est là. Qu'on est là. Ils savent bien qu'il sera chargé. Il ne sera chargé. Kagame ne sera pas épargné. De tout ce que Kagame a fait dans notre pays, des tueries, des violations. Kagame ne sera pas épargné. Pour qu'il soit épargné, c'est une seule condition. Qu'il se suicide. Parce que s'il ne se suicide pas, qu'il est en vie, un jour, Kagame finira en prison. Parce que mon bon président Félix a joué ma politique. Toi, la carte, ça peut déstabiliser. Mais il y a des gens qui ont dit Charles Onana, il pourrait. Charles Onana, c'est un écrivain, il a fait son travail. Il a vu. Il a vu. Il a vu comment on a récupéré mon posa baza abati. Et lorsque la constitution sera changée, Franck Diongo, exil les a pas Pierrot Louaou. Exil les a pas. Pensez-vous que dans l'exil au Kenya, vous allez vous assortir dans l'exil pour commettre la peine. Non, vous m'avez dit que vous pour commettre la peine. On a récupéré le siège. Pour commettre un nouveau membre, nous allons maintenant participer dans le conseil des droits de l'homme. Pour Tikali Namoussousou, nous devons aussi siéger là où il y a les décideurs qui décident pour l'humanité. Ça prouve
que la fondation Bill Clinton a été écrasée par la diplomatie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kofi Annan écrasé. Bango nyonso to poudroyé bango. Tous on les a écrasés. To écrasé bango. Charles Juana Lokola, on en a écrit l'Holocauste au Congo et le maître de la communauté internationale. Et aujourd'hui, on en a avec un problème sérieux. Bazo traité est complotiste. Bazo traité est négationniste. Pourquoi? Parce qu'on en a avis le larme du peuple congolais. On en a avis comment le Congolais a été vendu. On en a avis comment la RDC a été vendue. Il est temps de récupérer. Parce que toi, la carte, c'est récupération. Tu as récupéré des déchets. Tu as récupéré nuance. Voilà la raison pour laquelle les chefs de l'État devaient effectuer ce voyage pour aller faire lobbying, pour récupérer siège. Il y a Conseil national, Conseil des droits de l'homme. Tu comptes ce qu'on a dans solo. Et l'histoire du Congo, ça s'écrit. Lumumba l'avait dit un jour. L'histoire du Congo sera écrite un jour par un vrai Congolais. C'est ce qui s'écrit maintenant. Toujours coma. Toujours coma. C'est pas facile. Et on parlera de Félix Tshisekedi Tshilombo dans ce monde. On parlera de Tshisekedi dans ce monde. De tout ce que le chef de l'État a fait. Voilà pourquoi il était même décoré à honorer sa cause. Par rapport à Misalo à Salioza palpable. Voilà, on a qui frigolé à Mongo. La furgence Moukeba, parce que ma sali symbiose, Dio. Il y a ma belle Dio, voilà. Pour sécréter le fidèle de l'église. Batouana, Batouma, mais le président Félix a zoubalayé. On en a menacé. Pourquoi? Parce qu'on en a dénoncé. Alors, tout le monde a un livre, un ouvrage, un Holocauste au Congo, au mercredi de la communauté internationale. Il y a un livre qui a effacé l'histoire. L'histoire ne sera pas effacée. À aucun jour, il y a un livre qui a été fait. Rwanda. Et ils seront chargés de ça. Donc, je la battu là. Il y a un on a récupéré. Franck Guillaume, qui est là, à Genève. On connaît là. Là, on te vendit. Lusse Nicolas, Lusse. Dans le même Lusse Nicolas, il y a Lusse. Tu vois qui te possède Lusse Souté. Politique à chaise vide et cause à la Lusse Souté. Voilà le chef de l'État anticipa qui. Là maintenant, Fondation Bill Clinton, donc au Soukawap, le chef de l'État a botoli bango bakaremini. Chasse Batikali Nango, c'est parce que Roubaya jusque-là, on n'a pas encore récupéré Roubaya. Les jours on va récupérer Roubaya, ma fonction, ma bêtise, ma osala. Bakotika. Bakotika. Pourquoi? Parce qu'ils seront dans l'obligation à coopérer. Le président Félix, il a déjà accédé à la première mandat. Quand la constitution sera révisionnée. Parce que là, on doit prôner. Aimez notre vidéo, commentez, partagez le lien. Aimez notre vidéo, commentez et partagez le lien. Voilà un peu ma
point on a le bas qui tourne sur la nabino, bah responsable que vous êtes, bah abonné la biseau que vous êtes, tu le bas qui tourne sur le bel ayambo. Après la fuite de Katumbi, on avait préhendé son chauffeur qui a révélé encore le secret d'État. Na le bas qui sima tourne sur le bel ayambo. Il y a élection autour de l'ONU dans les Nations Unies. Où était Batou qui jungle trouble. Bazangu Kimia. Pourquoi? Parce qu'on les a bloqués. Et à la fin, tu as dit que tu as dit la Makamanine. Tu as dit que tu as dit la Makambouya Charles Onana. Onana, le nom est venu dans les dangers parce qu'il a défendu le peuple congolais que nous sommes. Voilà, puis maman, tu es qui n'a pas sur la rabino. Tu es qui la branche aussi à la même chaîne. Comme je vous ai toujours dit, tu es venu à l'issoussou dans quelques minutes pour la colombe la numéro moussoussou à Sika. Il y a des informations. Plus 243, plus 243, 89, 63, 95, 965. Je dis, je vous remercie. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.